Nostradamus, de Nostradamus. Quels sont les 5 meilleurs producteurs du rap français ? Ice-Creamy. Les 5 meilleurs producteurs ? Ouais. Producteur beatmaker ? Non, on va dire. Ah, producteur Kenzie, voilà. Voilà, Philo, Dawala. Donc, toute génération confondue. Toute génération confondue, les 5 meilleurs. Putain, qui t'ont marqué. Ah, le premier, c'est Kenzie, frère. Kenzie, tu es obligé, Kenzie, le secteur, ce qu'il a fait. Quoi qui arrive avec Kenzie, il ressortira toujours. Obligé, parce que s'il n'y avait pas eu Kenzie, je ne serais même pas à cette table, je crois. Ah ouais. Je serais même pas à cette table. Et vous non plus, parce je crois. Que, ouais, parce ça, que la manière dont il a démocratisé, il a aidé le peur à se démocratiser, ça a donné des jobs à tout le monde. C'est des ça. Journalistes, des rappeurs, des beatmakers, des DJs. Parce que des... en scred, là, on peut dire que pour moi, Kenzie, il a fait un sans faute. Hein. Ouais, il a comment il a développé ses artistes. Il a révolutionné le truc. Ça, après, dire, ça c'est. Arsenic, Negmaron, Passis, Tommy, ils ont tous pété. Gynéco, mon frère. Voilà. Yannick. Après, moi, ce que je regrette un peu plus, c'est la saison 2. Première classe. Donc, c'est dire... quand Première classe est arrivée qu'ils ont signé classe. Futuristique, Tandem, voilà. FD, voilà. Et qu'ils ont l'escadrille. Et parce que là, si je. Singila. Et qui rappelait encore. Et la saison 2, là. Singila est un rappeur à la Futuristique. Ouais. FD Phénomène. L'escadrille. Tandem, ils ont mal suggéré. L'escadrille Singila. Singila, c'était incroyable. La saison 2, ouais. Mais elle était grave. Hein. C'était très, très grave. Mais c'est là où c'était le début de la fin. C'était grave, mais c'est là où ça. Je regardais une interview de McGregor en plus il n'y a pas longtemps avec Grice. J'ai regardé la T'as vu ce qu'il a dit. J'ai regardé ce qu'il a dit. Et Nubi avait fait avant avec Grice et il a parlé aussi. Et c'est ça. Les gars n'étaient pas encore. Et Grice, il me posait la question, pourquoi tu produis pas ? Parce que j'ai pas encore fini avec moi-même. Et pour produire, faut avoir fini avec soi-même. J'ai vu ça quand Philo il a produit Youss. Philo, quand il a attrapé Youss, il rappait encore un peu, mais quand il est vraiment rentré dans la production pure, il a vu que c'était pas possible d'allier les deux. Parce que la force, tu dois la donner soit à quelqu'un, en tout cas, tu peux pas garder un peu. Non, soit tu donnes tout à l'artiste, soit tu gardes tout pour toi. Booba, il fait bien ça. Hein. Booba, il donne bien la force. Il fait bien ça, vous voir. Il donne bien la force. Ouais, mais après, après, producteur. Moi, je trouve pas que c'est un producteur. Vous voyez, il donne la force. C'est pas toujours. Il donne la force. Non, c'est pas toujours évident. Non, il fait les mots pour moi, Bouba, il y a les deux. Regarde, il y a Damso. Damso, regarde là, SDM, il vient d'arriver. Ouais, SDM fort. Il y a son disque d'or. Inconnu au bataillon, SDM. Damso était inconnu au bataillon. Damso, il était même en Belgique. Il était inconnu. Même en Belgique, il était inconnu. Belgique, il était inconnu, grave. Donc, c'est un bon producteur. Donc, on continue. Donc, non, mais il peut pas faire partie des producteurs à la hauteur de Kenzie. Non, mais t'as dit c'est un bon producteur. Non. Rectifie, s'il te plaît. Merci. C'est pour ça que j'ai dit mitigé. Ouais. Booba va pas être classé dans la. Après, je vais dire Philo. Après, si je dis Baïs, tu peux pas mettre Booba après. Tu mets Jean-Pierre Sec, peut-être, si tu veux. Non. En parlant de production, 45 scientifiques, qui a refait ça? Qui a refait ça? Pourquoi pas Jean-Pierre Sec? Jean-Pierre Sec, bon. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait après 45 scientifiques? Bah après il a fait décoller Black Kent. Qu'on aime ou pas, Black Kent, il a quand même. Il vient de Bordeaux, frère. Donc je veux dire que la fouine a fait décoller Sultan. Il n'y a pas de résultats. Sultan, il avait une économie à un moment donné. Il a fait Team BS. Sultan, moi, il a fait Jean-Pierre Sec, je respecte les JP Sec. Hein. Ouais. 45 et tout ça. Même si c'est pas un producteur à la base, c'est un journaliste. Ouais, mais. Mais quand il s'est mis à produire. Quand Booba est parti, ils étaient vite dépassés. Ils ont sorti des Lalco, des Escobar, etc. Ouais. Ça n'a pas fonctionné. Mais c'est parce que Booba, c'était la poule aux œufs d'or. C'est pas parce que c'est un mauvais producteur. Non, mais quand t'es un vrai producteur, avec ou sans Booba ou bien d'autres artistes, tu vois. T'as pas vu le corps? Comment il se refait une santé? Corps. Oui, regarde, on va dire, au début il y avait qui SCH, il y avait la crime. Avant, il y avait des trucs. Ouais. Donc on va dire, après, après Didi Trix, et c'est ça. C'est que t'as toujours ce. Mais ça, on se mélange parce que c'est un producteur musical. On peut pas comparer Kenzie et Core. On peut pas comparer. Enfin, pourquoi pas? Moi je trouve que c'est pas la même échelle. Non, en fait, c'est pour ça que je dis top 5. Okay. Tu vois comment? Parce qu'on peut pas, comme tu dis. Parce qu'il y a producteur pur et producteur beatmaker, la nouvelle. Producteur exécutif. Ouais. Alors, production pure ou production exécutif? Prod exé, c'est Scalp, c'est Core, c'est. C'est Scalp, c'est Core, c'est Spike Miller, c'est.
Mais prod pur, c'est Kenzie, c'est Baïs, c'est Philo, c'est voilà. Dawala. Dawala, il n'est pas en studio en train de. Non, je te parle de ça. Bah, pur. Prod pur alors. Donc, ouais. Toi, c'est quand même, mais pas Core alors. Bah, on met pas Core. Core, c'est un prod exé. Mm-hmm. Voilà, donc prod pur. Kenzie, Philo. Dawala, c'est ouf ce qu'il a fait, Dawala, frère. Dawala, c'est un truc de baiser. Mais dans l'ordre. Dans l'ordre, dans l'ordre d'importance. Du 5 à, du 5 au premier. Du 5 au premier, donc le dernier. Donc je commence par le dernier, là. Ouais. Putain, frère. Ah, gros. 5, c'était beaucoup, hein. 5, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Déjà, 3, déjà. 5, c'est beaucoup, c'est le rap français. Attends. Non, mais déjà, il y a qui? Il y a Baïs, il y a Philo, il y a Kenzie, il y a Salsa, Dean Records. Il y a. Putain, il y a qui, frère? Il y a Oumar Digno, GoldenEye. Mais pourtant, qui t'ont vraiment marqué, vraiment. Marqué, Kenzie. Kenzie, Philo. Il y en a pas des masses non Allez, plus. Hein. Top 3, on va dire. Ah, merci, ouais, parce que 3. Après, on réfléchit aux deux autres. Ouais. Kenzie, Philo et. Dawala. Dawala. Obligé, Dawala. Ouais, Dawala, t'es obligé de dire Dawala. T'es obligé de dire Dawala. C'est fou ce qu'il a fait, Dawala. C'est fou. Hein. Nous, en plus, on l'a vu. Moi, je l'ai vu démarrer, Dawala. Putain. Avec les PSG. Et les cartons de CD dans la voiture et tout. Putain, okay. Il vient de loin. Et là, voir tout ce qu'il a pu bâtir, c'est chapeau, frère. Ouais. Chapeau. Philo, ce qu'il a fait avec Beaumaillé. Pas que Youss. Que Black, NASA, il n'y a pas que Youss non plus dans l'histoire, tu vois, il y a les petits refs aussi, il y a que Black, il y a NASA, tu vois, donc truc, et Kenzie, on vient de dire. C'est champion. Hein. Champion, mm-hmm. Champion en titre. Adax. On fait 3-2-1. Hein. Voilà. 3-2-1. Ça va tourner autour des mêmes. Hein. Non, ça va tourner autour des mêmes, tu vois. Non, franchement, il y a qui en vrai de vrai, gros. J'ai envie de te dire, vas-y, pour la jouer, tu vois quoi tout, le mec un petit peu différent, en top 3, je mettrais Baïs. Ouais, okay. Tu vois pour respecter le parcours. Ouais, bien sûr. Parce que. C'est chaud ce qu'il a fait avec Alibi. C'était chaud. C'était pas gagné. C'était pas gagné. C'est très chaud ce qu'il avait fait. Très chaud ce qu'il avait fait. À réussir à imposer Alibi qui n'est même pas un rappeur à la base et tout. C'était chaud. Du combattant. Et surtout à une époque où ça rappait encore. On n'était pas dans les codes de maintenant. J'ai même envie de te dire et tout que. Il doit apparaître dans le top 3 parce que il fait partie des mecs en fait qui ont changé ce truc du game dans lequel où en fait en c'est gros vrai. Tu peux en fait ne pas être un rappeur mais si tu es en fait avec une histoire merci, en fait on merci. Est là on va t'écouter. Je suis d'accord. Tu vois. Donc je vais mettre Baïs. OK. Je vais mettre Dawala parce que ouais non ouais. Pure, non ouais, c'est, ouais, ouais, non, c'est très très chaud. Ouais. C'est très très chaud, tu vois. Et après number 1 comme il le dit et tout en fait c'est Kenzie. Mon gars. L'histoire en fait du secteur A, de tout ce qu'ils ont fait, tu vois, parce que en fait les mecs ont tout touché, hein, tu vois. Ouais. Il a tout touché donc de l'artiste solo. Moi je te dis, moi j'écoutais fort Bruno Doc Gynéco. Ouais, et ça veut dire que. Consultation et voilà. Et pourquoi je vais te dire lui en premier, parce que en plus, tu vois, dans les artistes qu'il a menés, tu vois, en fait, il y a un panel en vérité d'univers en vérité qui est fou. Tu te rends compte en fait que tu peux avoir en fait les mecs du ministère, tu vois. T'as Arsenic. Tu vois, t'as un mec comme Gynéco qui a rien à voir. T'avais des meufs en vérité comme Asia, les trucs Jalan, et tout, tu vois. Voilà, t'avais derrière en vérité tous les autres. Yannick, Fayadé, frère, c'est allé du Neg Marron, c'est ça, allait trop loin. Donc, vraiment, tu vois. Vraiment, tu vois quoi et tout. Bien pour sûr. Moi, numéro un sang, tu vois. Et il a poussé ses artistes à rester vrais. Ouais. Attention, le ministère au tout début, ça passait pas en radio, c'était hardcore, ils viennent du fond, tu vois. Arsenic, ils sont passés en radio avec Je boxe avec les mots, ils ont pas été faire un clip à la plage, tout ça, truc et tout. Kosla, Kaira, 9-5, tu vois, donc cartonné, Reebok classique à l'époque. Totalement, père de fort, quartier. Fort, père de quartier, lunettes, casquette bien vissée, cuir chevignon. Donc c'était ça, style Kaira. Donc il a pas dénaturé son produit et c'est le producteur qui a vraiment réussi à imposer ses artistes tels qu'ils étaient, sans dénaturer quoi que ce soit. Gynéco, c'était vraiment Gynéco, un peu un snoop à la française, un peu touffe à l'époque, Vanessa, des trucs, qui racontent des trucs. Premier à faire 1 million, je crois. C'est ça. Il avait même racheté la case à Johnny. Bon, ouais. Il avait racheté la case à Johnny. Ouais, tu vois, donc c'est réel. Kenzie en premier, sans discussion, je crois. Du Bronx. Moi, je vais dans l'ordre décroissant et je suis dans un top 5. Ok, on va apprendre des choses. T'as fait le boulot, toi. Ouais, fort. Non, j'ai fait un choix, j'ai des choix et j'y reste.
Déjà, je. J'assume. Je meurs pour mes convictions. Je meurs pour mes convictions. Je mourrais pour mon discours. On fait passer pour un fou, pour un bébé, machin et tout, mais ça reste que du rap à un moment donné. Donc... Vas-y, ok. On peut rester calme. Alors, déjà, numéro 5, pour encouragement, Fianso. Mm-hmm. Par rapport à ce qu'il est en train de faire avec Affranchi. Et en plus, tu parlais de quelqu'un qui finit, il est en train de se finir. Parce que je pense que. Il est en train de se finir. Le rap, il peut savoir et puis il met ça de côté. Ouais. Numéro 4. Je suis pas vraiment d'accord, Fianso, mais vas-y, va au bout, va au bout. Ok. Numéro 4, je mettrai. Je garde corps. Parce que même si ça, c'est un producteur exécutif, le travail de direction artistique qu'il fait avec la crime, il faut savoir d'où il attrape la crime et où il l'amène. SCH, d'où il attrape, où il amène. Avant, il te fait ce qu'on appelle le R&B pop. Pas le R&B pop, le Rai pop. R&B pop, R&B fever, en fait, c'est du pop rai. Il t'a épuré le rai pour te l'amener. Parce qu'il y avait, il y avait un petit phénomène, c'est que tu avais beaucoup de filles d'Afrique du Nord qui faisaient du R&B. Mais le problème, c'est que comme le R&B, c'est une black music qui parle du coffre, et que eux, c'est plus le miel. C'est plus des mots mielleuses, tu vois. Donc, ça collait pas forcément. Donc, lui, t'as trouvé la solution pour faire glisser le bail. Donc, t'as fait un vrai taf. Et quand tu regardes ce qu'il fait avec Zola, et puis en plus, tu regardes ce qu'il fait avec Awa Gang aujourd'hui, il t'a fait une vraie structure qu'il est en train de construire. Il a fait avec Scalp aussi. Voilà. Le taxi, c'était lui. Hein, pour exactement. Et il a vlagué les artistes en plus, là. Après, on va voir ce qu'il va faire. S'il réussit à Awa Gang, avec tous les artistes qu'il a, là, franchement, il sera au top. C'est parce que là, pour moi, j'ai jamais vu un label avec autant d'artistes réussir. Numéro 3, je vais mettre ton gars Philo. Parce que ce qu'il a fait, déjà, Boumaillé. Alors, on a été un peu dur avec lui au début, quoi, parce que Youssoupha, c'était un accident. Peut-être, mais la manière dont il a rebondi son accident, dont il a su structurer... C'était pas un accident, Youssoupha. Qui a dit, moi, j'ai pas dit que c'était un accident. Non. Donc, quand, ben, enfin, pas un accident, mais non, c'était. Non, pas du tout un accident, Youssoupha. Inattendu. Il travaillait de ouf. C'était inattendu. Inattendu, mais pas un accident. Ouais, inattendu parce que personne s'y attendait, mais nous, on savait que. Ah, frère, il est chaud, le ouais, c'était. Ah, c'était oui, oui, c'était oui. On savait parce que s'il n'y avait que du rap Kaira, et c'était le seul qui arrivait avec des mots, des trucs et tout. Ah, il est chim, ah, il est trop foncé, ah, il a des grosses dents, ah, il a un gros front. Hein. On a entendu tout. Mais il a tout baisé quand même. Donc, c'était pas du tout un accident. Non, mais après, on l'avait dit, pas préparé. En fait. Mais pas, pas préparé. Pas préparé, mais il a quand même su rebondir. Tu regardes derrière, rien que le studio qu'ils ont su construire, rien que les structures qu'ils ont su mettre en place. Et la transformation qu'ils ont fait, parce que Boumaillé, de l'époque, il y avait, comment il s'appelle, Taipan. Taipan, Sam. Sam, etc. C'est et vrai. Qui passe avec Kebla Kenaza, Hiro, etc. Hiro, ça et tout. Le glissement qu'ils ont fait, c'était très fort. Mais c'était prévisible. Ouais. Alors, même si c'est mitigé, je mettrai en deux B2O, parce que B2O, il a fait beaucoup d'artistes, mais il y a quand même beaucoup des grosses réussites. Des grosses réussites quand même, des vraies grosses réussites. Et numéro 1, sans excuser, Kenzie. Sans faute. On peut dire ouais, sans faute on les a pas vus les fautes en tout cas. On les a pas trop vus les fautes en tout cas. Moi je sais pas, j'ai pas trop vu les fautes. Il y a dû en avoir forcément, mais j'ai pas. Il a tellement transformé les essais que. Oui, mais ouais, en fait, en gros, on parlera de fautes parce que en gros, on aura eu une génération. Et c'est tout. Ouais, mais ça c'est quand les artistes ont voulu jouer les producteurs. C'est là que ça a bugué. Quand Pete, Benji, Jackie, Steph et Patou, salutations à eux, Patou, qui sont des grands renforts aujourd'hui. Ils ont fait les. Ils ont PC. Les compiles, c'était lourd. Première classe 1, même 2. Mais après, en matière de production, c'est pas facile de produire. Pas évident. Oh, pourtant, ils avaient des futuristiques. Tandem. L'escadrille. McTayer. FD, même phénomène qui était un peu moins truc, mais c'était quelqu'un, FD. C'était quelqu'un. Mais après, tous du même sexe. Ouais, mais tout le monde connaissait. C'était pour un public réserviste encore. C'était pas non plus, j'imagine, de McTayer. FD, il a pas de morceau à la hauteur de ça, les gars. On va parler français. Non, ça va. Clair. Ah, pourtant, moi, FD, je kiffe de ouf, mais tous du même sexe, En fait, c'était un genre mais de. Mais c'était fort. Deux corps. En fait, ça kickait. Deux corps. C'est un morceau à lui, ça. En fait, FD. Putain, ça me dit quelque chose, putain, mais il me semble qu'il était violent ce morceau. Deux corps. Ouais. En fait, c'était encore un jeune rookie qui arrivait. Ouais, voilà. On n'a pas vu vraiment. Où ça allait. Myriam. Alors, deux choses.
Déjà, je suis d'accord avec votre top. En même temps, je pense pas que j'en ai d'autres, en fait. Au-delà pas non plus des millions, non plus, c'est ça. En vrai. Et de deux, moi, j'ai compris la question. Les 5 meilleurs producteurs en termes beatmaker. En termes beatmaker, c'est ce que je m'étais dit au départ. Donc aussi. Mon top, il n'a rien à voir avec des Dawala et des... Ça n'a rien à voir. Donne-le quand même. Non, mais non, non, laisse tomber. Il est dur, il est dur, mon gars. Il est dur. Ouais, mais, laisse tomber. Il peut avoir des situations ici en off. Derrière les rideaux. Non, parce qu'on va pas avoir du beatmaker. Tu l'as dit, beatmaker, c'est... Non, j'aurais bien aimé l'entendre, moi, ton 5 de beatmaker. On fera un thème exprès, parce que là, je vais être à côté de la plaque. Ah, ils se donnent ça en off, je vais le dire. Ça, tout se passe en off, mec. Ouais. Mais vous avez oublié quand même une personne hein, très importante aussi. Hein. Vas-y, dis, sors ton blague. Alpha 520. Alpha 520. C'est un hustler, Alpha 520. C'était un producteur ou pas à ce niveau. Non mais non, pas du si, game. Non mais non, mais non. Ouais, mais attends, mais c'est un producteur ou quoi tu vois. Moi aussi je produis un petit peu. J'ai produit mon gars aussi. Mais non, c'est un producteur mais dans sa catégorie. Bon, on va dire dans sa catégorie quand même il a fait des choses. On parle de top 5 ou pas de top 5? C'est pas moi, c'est pas la même division. Mon gars, j'aime pas la même ligue. J'ai même pas cité ta voix là. Grand respect. Célèbre de ouf. Okay. Mais et Ghetto Fab Gang, tout ça et tout, mais c'était pas la même ligue, frère. On va pas mettre mon nom. Non. Arrête un peu, toi. T'embêtes les gens, t'embêtes les gens tout ça. Là, tu es un embêteur. On est tous fatigués ici, tu me rends de merde. Bouteille d'eau, t'as des bêtises sur un tapon, c'est quoi, mais... Casse les couilles. Ah ouais, frère. Vas-y, t'es relou. Là, c'est ton émission, mais t'es relou. Plus jamais je vais me faire inviter. Là, on revient plus et puis. Ouais, t'inquiète pas. Non, je plaisante. C'est ouvert. C'est réel, c'est réel. C'est ouvert, c'est non, ouvert. Non, c'est réel, c'est réel, c'est réel. Mais après, ce serait intéressant de faire aussi ouais, beatmaker aussi, parce qu'il y a producteur aussi. Non, c'est clair. Mais lors d'une autre émission, en off ou en off, je pense peut-être. Non, c'est clair. Donc, tu disais, toi, tu mettrais aussi Jean-Pierre Sec, hein. Ouais, parce que si on, hey, si on met Alpha et si on met Core, on met ouais, Sec. J'avoue, toi, t'es méchant, ton monde. On va mettre Ali, on va mettre Ali. Producteur dans 45. Géraldo, si on met Core, on met Géraldo. On peut classifier Géraldo. Tu peux mettre donc moi je mets Jean-Pierre Sec parce qu'il a produit Jean-Pierre quand même. Il a fait partie de 45 scientifiques. Ouais. Après avec Driver All Made, jusqu'aujourd'hui il y a All Made. Là, il est en Afrique là, en ce moment il est au Sénégal, il a Dope Boy, il a Loup d'Afrique. Les artistes qui sont présents dans mon projet d'ailleurs. C'est quoi les résultats? Écoute, Loup d'Afrique, Dope Boy, bah, ils sont en alliance avec 92i Africa. C'est ça le résultat. C'est qu'il est produit par Booba. C'est ça le résultat. C'est qu'il est en deal avec Coca Pepsi. C'est ça le résultat, frère. Pas des vrais résultats. Toi, mais ça, c'est pas des résultats. Mais il y a quoi sur le chèque, le deal avec Coca? C'est quoi? C'est pas un Coca, c'est pas une canette, c'est un deal. Il est au Sénégal. On parle des vrais résultats. Mais c'est quoi les vrais résultats? Non, mais lui, c'était terrible quand même. Mais c'est quoi le vrai résultat? Je vais te demander de comprendre. On parle des vrais résultats. Mais le vrai résultat, c'est quoi? On parle de production. C'est comme si Neymar, donc, il ne rappelle pas avec des champions, mais comme il a des followers, donc c'est bon. Maintenant. Non, mais c'est quoi le vrai résultat? Mais le vrai résultat, c'est des circuits. Disque d'or en indépendant, premier disque, premier groupe. Mais les gars, connaissez votre histoire à un moment donné. C'est à quel âge autour de la table là? Je sais pas moi. Lunatique. Attends, je te parle de résultat. Attends, Lunatique, premier groupe. Non, mais tu on parle de production avant même Old Made. Parce qu'avant Old Made, il a 45 scientifiques. 45 scientifiques, premier groupe de l'histoire du rap français. Disque d'or. C'est pas. Mais alors, mais pourquoi tu me poses la question de résultat à l'époque du 100 000? Parce que non, à l'époque. À l'époque du 100 000. Mais ça, c'est pas un résultat, ça. Mais non, moi je. Lui préfère les streams. Mais non, moi je te parle pas de ça. Mais tu parles de quoi alors? Moi je te parle. Je veux dire, quand tu me dis qu'il a fait Old Made, là il part en Afrique. Moi je te parle de ces résultats-là. Moi je parle pas de ce qu'a fait avant. On sait ce qu'il a fait avant, ça fait partie de son parcours. Il a fait Mauvais Oeil, Mais quand tu demandes qui sont les top 5 producteurs, c'est les producteurs avec ce qu'ils ont fait, pas avec ce qu'ils ont fait depuis telle date. Donc on va dire. Non mais t'as capté ce que je veux dire. Si, c'est ça. Donc on prend Jean-Pierre avec 45, pas Jean-Pierre que depuis. Donc tu le mets dans ton top 5?
Mais t'enlèves quelqu'un pour le mettre dans ton top 5. Moi j'ai dit 3 déjà, donc il me reste encore 2. Ouais, bah okay. Franchement, pour ce qu'il a fait là, mauvais oeil, on a tous été bousillés par Lunatic. Tu fais le malin ici là. Tu rappelles comme Booba certainement à l'époque. Toi. Ah ouais, frère. T'as la radio maintenant, tu fais Zarma. Ah, j'ai jamais rappé. Je connais les boucs comme toi. Les rappeurs reconvertis. Parce qu'il paraît que Kunta Kinte, il est comme ça aussi à ta radio. Est-ce que c'est pas toi Kunta Kinte? Tu vois ou pas? Donc je suis désolé, c'est un essai transformé. Parce que s'il n'y avait pas eu mauvais oeil l'album, il y aurait pas autant de rap. Mais gars, en indépendant, disque d'or à l'époque du 100 000, t'appelles ça comment frère si c'est pas un résultat? C'est un gros résultat. Rien que pour ça, je le mets dans mon top 5. Rien que pour ça déjà, même s'il a rien fait derrière. Rien que pour ça déjà. Rien que pour ça déjà, tu vois. Rien que pour ça, je le mets. Et après, franchement, j'ai pas. En fait, je parlais plus aussi. Bah yes, une cinquième si je dois. Ouais, en fait, c'était pas assez précis. Je parlais, on va dire aussi sur la. Moi, quand j'ai vu ta question, je me suis dit, comment dirais-je, sur la longévité. Non, on peut mettre le JP-Sec, c'est pas un souci. On peut mettre, c'est des producteurs. Non, il y a quand même. Mais sur la longévité, qui sont encore là, tu veux dire. Voilà, sur la longévité. Ah, qui sont encore là. Bah là, tu es obligé de mettre corps. Donc, on va dire, c'est-à-dire, tu vas te dire, voilà, même si, on va dire JP-Sec, il a fait temps mort, mauvais œil. Ah, après, il a continué, ok, il a fait ça. Non, ils sont encore là, non. Tu vas te dire, quoi. Il est là, mais il transforme pas encore. Parce que moi, je respecte Kenzie, même ça a duré une courte période, on se crée. Kenzie, c'était pas long. Ouais. Mais il y a trop enchaîné que jusqu'aujourd'hui t'es obligé de respecter. Ouais, parce que c'est ça. Le peu qu'il a fait, t'es obligé de respecter. C'est trop. Non, c'est ça. Je peux être d'accord avec ça. Mais en fait, il y a un moment donné où en fait, il faut aussi se rendre compte que ce qu'a fait JP-Sec, c'est légendaire, frère. Non, c'est légendaire. Et encore pire que légendaire, c'est ce que les gens cherchent à faire maintenant. Ouais. En fait, c'est pour ça en vérité que tu vois, il a lancé le modèle. Ça veut dire que, et tu sais, en fait, le modèle qu'il a lancé, il l'a lancé parce qu'en vérité, quand tu écoutes l'histoire, en fait, ils n'avaient pas le choix. Ils ont été forcés Démarcher les maisons de disques. Ils ont été forcés faire la chose. Rap de village, tout ça. Et au final, ça a donné une toute autre mentalité à tous les mecs, à tous les acteurs de l'industrie. Et c'est surtout le producteur qui a sorti en fait. Booba. Ouais, non, c'est pour ça. Qui a changé le rap. C'est pour ça que c'est fort. Il y a eu avant Booba et après Booba, c'était plus jamais pareil. Mais même la mentalité, parce que la mentalité aussi, grave. Parce que avant ça, les gens pour pouvoir rapper cherchaient à se faire signer. Bien sûr. Et lorsque on fait ça, les mecs sont rendus compte qu'en fait, on peut tenter de le faire seul. Ça, c'est rien pour ça aussi. Non, c'est vrai que. Non, en tout cas, je me sais que. Mes excuses, c'est vrai que. On verra en off. Comme tout se passe en off. Donc, c'est vrai. Je sais que. Beaucoup pour la culture. Non, c'est vrai. Mais tout à l'heure, mon gars disait Fianso, t'étais pas d'accord. Explique. Non, j'étais pas forcément d'accord. Mais là, on vient d'élargir. J'étais pas d'accord parce que. Pareil, tu peux pas comparer Jean-Pierre, Kenzie, Baïs, Dawala avec Fianso. Mais là où je suis corda, c'est qu'il sort tout doucement du rap et il l'a fait bien. Franchement, il l'a fait bien, Fianso. On va dire. Avec Ornette, je sais plus qui produit Ornette ou Huss ou. Non, Huss, Soul King. King, tout ça, il l'a fait bien. Est-ce que ce. La casquette de producteur, on va dire, la casquette de producteur, il la porte bien. Il sait se mettre en retrait parce qu'il a vu tellement de producteurs être gourmands, carotte les artistes. Abdel de charismatique, par exemple, je suis en train de penser à un producteur comme ça aussi, ça fait longtemps. Kenza Farah. Ça me vient de. Parce qu'il produisait Fianso, tout simplement. Exactement. Donc, il a tellement vu des producteurs vouloir grailler leurs artistes que du coup, lui, il veut faire ça bien. Et grand respect, Fianso, pour ça. De toute manière, Fianso et tout, très grande intelligence. Ouais, c'est un mec, en vérité, qui a réellement appris, en fait. Il a observé beaucoup. Ouais. Parce que les gens savent pas, c'est que Fianso, il a beaucoup fait, et il m'en voudra pas s'il entend ça, parce que c'est la vérité. Il a beaucoup été à la recherche des labels. Il devait signer avant lui ça, lui-même il le dit. Donc du coup, il sait très bien. Lui, il a été rappé dans des ghettos, dans des quartiers. Il cherche le rappeur le plus chaud. Vas-y, je te clash tout truc. Un cinéma, Fianso. Tu connais Sofiane, c'est un cinéma. J'ai même vu une vidéo où il a dit carrément, il était parti chercher. Il a pas honte de le dire. L'être un jeune rappeur, il parle de trucs avec la fouine. Donc il sait, il a toujours été autour du game, tu vois. Non, c'est clair. Il est des heures. On devait passer un troisième débat là, mais là, je pense qu'on va s'arrêter là. Comme tu veux, c'est toi qui lance. Comme tu veux. C'est toi, nous on est là. Nous on est là, c'est toi. Ok. C'était quoi le troisième débat, juste pour savoir. Est-ce que
les rappeurs rappent mieux que les rappeuses. Oh.